Je crois que Jessica me trompe. Hein. Tu choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Et tu pourras faire de beaux rêves. Mais tu ne sauras jamais si elle a roulé sur toi. Tu choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles. Mais on descend avec le manicou blanc au fond du gouffre pour déterrer ton gros poil. Quoi ? Tu es un esclave, Bobby. Comme tous les autres, tu es né enchaîné au lambeau. Je sais pas ce que tu pourrais être là, mes frères, vous faut arrêter avec ça. Je comprends rien. En gros, frère, soit tu le prends là, soit on fout dans son WhatsApp. Comment ça, frère, t'as pas la ref ? La ref ? Un gars rasé, frère. Je sais pas, je comprends pas. Qui esquive les balles, qui donne des conseils. C'est normal que Mazel t'ait trompé, frère. Ah, j'ai eu chaud. Non, 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 bon, ça fait plus de 2 mois que vous deviez me remettre votre synthèse sur Guerre et Paix de Tolstoï. C'est le grand jour. Molly, le livre à 2000 pages qui sont là depuis là. Guerre et Paix de Léon Tolstoï. Emprunt à de nombreuses réflexions personnelles et philosophique, l'ouvrage interroge sur la place de l'homme dans l'histoire et la violence dans la vie humaine. De nombreux sujets tels que le servage et la guerre. Après avoir lu tout mon livre, j'ai décidé de rédiger en 4 actes. Tricheur ! Quand on me contrarie, on attire mon attention et pas ma colère. C'est donc grâce à ma formation de lecture rapide que j'ai pu lire ce livre. Lecture quoi ? Ma première formation en lecture rapide, une formation de 3 jours pour apprendre à lire 200 pages en 1 heure en retenant jusqu'à 70% des infos lues. Par contre, appliquez ça 2 fois. Et on enchaîne directement avec le développé mangé. On fait travailler le haut du corps, dont les épaules. Assurez-vous d'avoir le coude bien aligné avec le nombril. Et vous faites 1, 2, 3. On mange 3 séries de 10 répétitions, 4 fois par jour. Et vous verrez tout de suite, votre coude de fourchette va tout de suite s'améliorer. T'as la téléphone qui a sonné. Tu fais quoi? Comme j'ai pris un bug à l'eau à tartane, on a plus fait l'after. Ah d'accord, il y aura qui? Enfin, c'est plus toi et moi, comme c'est pas dit. T'es là. Mais je suis venu avec mes copines. Oh god, dis-le de venir. Attends, Chris. Si je viens dans ton plan, c'est pour manger. Mais manger? Non! J'ai bien fait, mon vote fait des gaz. Parle-moi de grillade, frère. Est-ce que tu aimes la merguez? Et vas-tu te faire ce sexe là? Comme ton gars, il y a un gars qui nous fume là. Arrête de faire du boulot. Le tout beau poser un tic, c'est pour la ravouer que tout le monde. Il faut ici. Comment mon gars dit nous là?
avec vos boissons, messieurs? Oui, j'ai pris une carafe d'eau. Ok, autre chose? Vous avez des smoothies? Oui. Mais je vais en prendre 4 chips, s'il vous plaît. 4. Et pour la suite, monsieur? Alors, je vais prendre 2 tapas terre-mer, 2 autocotes, 2 maquerets, un tartare de poisson, tout ça servi avec des frites maison et comme je surveille ma ligne, des crédits. Oh shit! Moi j'ai des billets! Et monsieur, la suite? Ce sera des acras de mon de la laitue. Une par mais mettez deux acras seulement. Deux acras? Ouais, avec une feuille de laitue. Vous allez prendre le dessert, monsieur? Ah non, un départ, on va y aller. Non, je vais prendre un fond de chocolat avec. Deux boules de glace. Maman, garage, je vais en molly. Vous payez comment, monsieur? Alors, moi, j'ai une salade. On va diviser en deux. Tu sais avec qui je parle? Qui est ça? DJ Amigo. DJ Amigo? Mais tu sais pas que c'est un dog game, que c'est un chien, c'est un charou? Ah bon? Ah là là, mais tu sais pas qu'elle dit que c'est des DJ, des artistes, des chanteurs, des humoristes, c'est des donkey là, c'est des charbons là. Ah mais tu le connais? Tu le connais? C'est un dog, je t'ai dit. Et puis, Amigo, on est dans mon deux couteaux qu'on dit, soit dans la fin là. C'est une pote de toquer là, ma chérie. Tu me déçois, tu me tombais bien parce qu'on a dit, comment? Elle m'a dit, vas-y, gars. 1 week later. Viens ici, ça peut venir maintenant. What the fuck? Tu es sérieuse? Eh ben quoi? Y'a que l'écho qui cherche pas la vie. Oh shit! Oh my god! POV, quand tu dois faire 12 heures de vol pour aller à la Réunion? Manon! Manon, tu te tapes, ça suffit! Ça fait déjà 6 heures de temps que tu pleures, les policiers et les messieurs se reposaient à côté. Chut! Monsieur, j'espère que ça vous dérange pas trop avec la petite. Ouais, elle a des coliques. Oui, ma chérie. Oui, mais je n'avais pas vu que ça tombait le 16 décembre. Je suis allé dire à l'autre pomboulin que je l'accompagne au souhait, Seigneur. Mais quel échec. Je vais bien là pour en plus. DJ Top, DJ Woofy, DJ Klein, Fanny G, Kim. Et puis je vais rester assise là dans un parking sur une chaise d'écartons. Là, pour une histoire de troisième mi-temps. Regardez le FC Boloco au bord du rhum blanc toute la night. No way. Comment je vais. Ne t'inquiète pas. Je suis là, bébé. Justement, le voici. Geoffrey, tu n'as rien à me dire, Geoffrey. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je sais pas. Ne commence pas à faire ta tête de canon là, t'es avec moi. Je te dis ça bien, Geoffrey. Je te donne une dernière chance. Une dernière chance de me dire, Geoffrey, parce que tu sais très bien ce que tu as fait. Je me laisse pas mettre tête en vitesse, Geoffrey. Tu sais même que quand ma tête part en vitesse, je... C'est quoi? Parce que j'ai dit bonjour à mon ex à la galerie. Où t'es save alors? Hein? Où t'es save? Tu m'as pas vraiment voulu coller avec tes pétasses. Tu n'as aucun respect. Tu vois cette histoire là de venir te voir jouer au football vendredi? Eh ben tu peux déjà mettre la tête de Kylian Mbappé dans tes fils. Et puis comme c'est bonsoir là, bis bonsoir à ton ex, eh ben crie avec toi. Dis à toi de venir te voir jouer au football. Voilà, j'en fais. On veut de la merde. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé ta fève. Mets la couronne sur ma tête. Oh shit! Oh shit! Voilà, je suis là-bas.
pas qu'à applaudir. Ah, le racket.